السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير لكم النموذج رقم 2 من فرد من فروض اللغة الفرنسية مستوى الخامس ابتدائي وبالضبط لاكتيفيتي دو لا غرامير لا 5e année de l'enseignement primaire palier 3 exemple 2 épreuve de français grammaire. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي ورحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا لاكتيفيتي دو لا grammaire عندي هنا 3 questions sont très simples واللي كيتعلقوا بالوحده الرابعه من المستوى الخامس ابتدائي مرجعي pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire et aussi mise apprentissage en français 5e année de l'enseignement primaire. Dans grammaire, la première question entoure pour chaque phrase les déterminants définis ou indéfinis qui convient. Donc là on dit quand que le mot à la darse ديال les déterminants définis et les déterminants indéfinis. Ça fait les déterminants indéfinis. On va commencer. Donc, les ou bien des chercheurs sont contents. Un ou bien le sponsor va financer la production de... Donc, naya, radin khtaro, imma les ou bien des, on a imma un ou bien le. Donc, naya, radin khtaro, tout simplement, on va choisir les. Donc, les chercheurs, rah mu'arrafa. Donc, c'est le déterminant défini, ça fait. Donc, les chercheurs sont contents. Est-ce qu'on va faire ici un ou bien le sponsor? Donc, un sponsor. Un sponsor va financer la production de l'objet inventé. Ça fait un alterna les ou un alterna un. Donc, la phrase à tous les chercheurs sont contents. Un sponsor va financer la production de l'objet inventé. D'où la phrase B. Une ou bien la préservation des richesses naturelles et la responsabilité de chacun. Donc, on a eu chance de terminer une ou bien là. On a, il faut définir le nom. D'accord? Donc, la préservation. On dit là. La préservation des richesses naturelles et la responsabilité de chacun. C'est le ou bien un scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier des ou bien les hypothèses qu'il a notées. Donc, on a eu, on va choisis le scientifique, yani l'alim, le scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier quoi? Pour vérifier les hypothèses. Pour vérifier quoi? Les hypothèses, yani al-faradiyat. Donc, la phrase va tout lire. Le scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier les hypothèses qu'il a notées. D'accord? La phrase D, les ou bien l'apostrophe alphabet braille a permis à des ou bien les non-voyants de lire facilement. Narandiro, le genre et le nombre. Alphabet masculin singulier, donc narandou hadi. Et l'apostrophe masculin singulier. Donc l'alphabet braille a permis de faire quoi? A permis que tu me ken. Donc naslimi kechouvouch des non-voyants de lire facilement. Un homme qui croit sous houle, savez? Donc les chercheurs sont contents. Un sponsor va financer la production de l'objet inventé, la préservation des richesses naturelles et la responsabilité de chacun. Le scientifique travaille avec patience et concentration pour vérifier les hypothèses qu'il a notées. L'alphabet braille a permis à des non-voyants de lire facilement. Passons à la deuxième question, suivez avec moi. Donc la deuxième question, dans les phrases suivantes, souligne les adjectifs attributs et entoure les adjectifs épithètes. Donc un des quatre phrases qui sont des adjectifs attributs et des adjectifs épithètes. La première chose, nous savons le différence entre eux. Adjectif épithète qui est attaché avec le nom directement, yani là c'est avec le nom qu'il qualifie. Mais par contre, l'adjectif attribut qui est séparé avec le nom par un intermédiaire, donc l'intermédiaire je connais ou le verbe d'état. Ça fait pas le verbe être, d'autres verbes, le verbe devenir, etc. هنا أول حاجة خصنا نحددوا لي زادجيكتيف عاد نحددوا واش هما اتريبيو ولا ايبيتيت صافي دونك ناخذوا واحد السيل واحد اخر ملون لي فواتور دو كورس سون رابيد اي برويونت دونك هنا شنو قالوا لنا قالوا لنا سولين لادجيكتيف اتريبيو وانتور لادجيكتيف ايبيتيت يعني لادجيكتيف ايبيتيت غندور عليه ولادجيكتيف اتريبيو غنستار تحت منه مزيان دونك لي زادجيكتيف عندنا رابيد وهنا برويونت بالنسبه للنو بالنسبه للنو كي الكاليف هاد لي زادجكتيف جوج بهم كي كاليفيو لي فواتور صافي هذا هو لو نو كي الكاليف فهمنا ياك لو نو كي الكاليف هو هذا بي سو لونغ اكزرسيس سور لي زادجكتيف دوفيان ترو ديفيسيل دونك هنايا لادجكتيف هو نو لو نو هو اكزرسيس هذا هو لو نو كي الكاليف سور لي زادجكتيف
Donc, obtenir les adjectifs, où est le nom, ou devient trop difficile, trop, naya, adjectif, ça va? Alors, je vois si adjectif épithète ou l'attribut. Sa vieille machine est rouillée et irréparable. Donc, naya, quand quel mot, elle a la machine. L'adjectif rouillé et irréparable. Ça fait dommage les adjectifs. Les jeunes chercheurs ont créé une machine remarquable. L'adjectif remarquable. Maintenant, jeune. Nisbalena, ou chercheur, ou machine. Une machine. D'abord, on a d'eau. On a un crayon. On a le crayon. On a des verbes d'état ou non. Donc, les voitures de course sont rapides et bruyantes. On a le verbe d'état. Selon exercice sur les adjectifs devient trop difficile, on dit le verbe d'état. Sa vieille machine est rouillée et réparable, on dit le verbe d'état. Les jeunes chercheurs ont créé une machine remarquable, on dit le verbe d'état. Merci. Donc, là, les voitures de course sont rapides et bruyantes. On trouve comment l'adjectif attribut qui est confronté le nom qu'il qualifie. Le verbe d'état. Le verbe d'état. On a les adjectifs. Ou le nom. Ça fait, ism ou hada, ou l'adjectif. Donc, on va faire le verbe d'état. Télé, ça fait, ce sont des adjectifs attributs. B, selon exercice, sur les adjectifs, devient trop difficile. On dit l'adjectif, on dit le nom. Télé, ce sont des adjectifs épithètes. Donc, long, c'est un adjectif épithète. Les adjectifs deviennent trop difficiles. Les adjectifs, ou le nom, trop, ou l'adjectif, ou l'épithète ou l'attribut, c'est un adjectif attribut. Là, je l'ai un frog, mais le nom, le verbe d'état, ça fait. Donc, c'est un adjectif attribut. C'est sa vieille machine est rouillée et réparable. Est réparable. Donc, on a le verbe d'état, le nom, ou les adjectifs, ou juge. Donc, ce sont des adjectifs attributs, ça fait. D. Les jeunes chercheurs ont créé une machine remarquable. Les jeunes chercheurs, le nom des chercheurs, l'adjectif ou jeune, donc on doit aller. Adjectif épithète, ça fait. Ont créé une machine remarquable. Donc le nom ou l'adjectif ou donc, obtenez, c'est un adjectif épithète, ça fait. Donc rapide, bruyante, trop, rouillée et irréparable, ce sont des adjectifs attributs. Long, jeune, remarquable, ce sont des adjectifs épithètes. Passons maintenant à la question 3, suivez avec moi. Question 3, wada. Barre la forme de l'adjectif qui ne convient pas. Radish tab'ala, l'adjectif li machi mounasib. Ça fait, khalli hadak li sahih ou khata, radin dir alayh croix. Les artistes ont fait une magnifique création. Wesh collectif ou la collective. Donc, had l'adjectif hadak yu'oud alayh, qui création, une magnifique création. La création, c'est féminin. Féminin singulier. On a l'adjectif, masculin singulier, ou hada féminin singulier. Donc, les sahih ou hada, ou les khata ou hada. Donc, un crochet, les khata. Ils sont déterminés ou bien déterminés à créer des œuvres d'art originales ou bien originales. Donc, là, ils sont déterminés, le verbe déterminé conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, naya, ce qu'on accordait en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet, naya, le pluriel masculin, donc ce qu'on avec. S, le participe passé se compte avec S. Donc, ouais, dans les Donc, il a quand même les ouais, ça va. Mais bien, a créé des œuvres d'art originales ou bien originales. Des œuvres d'art originales ou bien originales. Donc, il y a des œuvres. Les adjectifs qui ont le nom, les œuvres. Les œuvres, c'est féminin pluriel. Féminin pluriel, donc, il y a les ou les singulier. Ils ont utilisé des matériaux recyclés ou bien recyclés. Là, tu as le nom ou des matériaux, l'adjectif recyclé ou bien. Donc, l'adjectif il s'accorde en genre et en nombre. Masculin pluriel, tu as masculin pluriel. Masculin singulier. La phrase suivante, au cours de la grande ou bien grand exposition, le public a l'air contente ou bien content. Donc, au cours de la exposition, la grande ou bien la grande. Donc, le nom ou exposition, féminin singulier. Donc, les féminins singuliers, il y a des féminins singuliers, il y a des masculins singuliers. Tel est l'adjectif, le public a l'air contente ou bien content. Le nom ou public,
masculin singulier. هنا هذا l'adjectif c'est féminin singulier وهذا l'adjectif هذا masculin singulier وبالتالي هذا هو اللي صحيح واللي خطأ هو كونتونت. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي ديال لا غرامير. النموذج رقم 2 مفروض المراقبه المستمره. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.